mais tu te dis que tu as vécu, en fait, tu vis la vie que tu rêvais avoir, et que finalement, tu tombes un petit peu de haut quand même, parce qu'à la fin, tu dis, je vous l'annonce officiellement, j'en ai assez. Je mène la vie dont je rêvais, elle n'est pas exactement telle que je l'imaginais à la fin du livre. T'expliques donc ton mal-être, en gros, ça fait une bonne dizaine d'années que t'as oublié de vivre, que tu travailles trop, et qu'un jour tu mettrais peut-être fin à la vie de Jerem Star avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai envie de prendre un nouveau virage, de m'élever, de faire d'autres choses. Je vais pas pour autant voilà, tout claquer du jour au lendemain, mais petit à petit, je pense que voilà, une reconversion va se faire. Je pense qu'à 80 balais, je serai plus dans ma baignoire. Et c'est vrai que bah ouais, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses et ça fait pas tant rêver que ça non plus. Et peut-être, ouais, donc t'as déchanté en fait, en gros, en voyant un petit peu. Ah ouais. Côté. Tu sais, j'étais naïf, moi. Je venais de Lyon, c'était Paris, la capitale, la conquête de mes rêves. Bah bon. Et les années passent, tu dis, t'as perdu 10 ans, enfin, tu t'es pas laissé vivre. Et tu dis que tu te sens assez seul aussi. T'es entouré de beaucoup de gens, mais finalement, peu de vrais amis. Ouais, beaucoup de grattors, beaucoup de poudpubis. Et c'est vrai que voilà, c'est un milieu où effectivement beaucoup d'intérêt et c'est parfois difficile de faire la différence entre les gens qui sont là sincèrement ou par intérêt. Voilà, donc j'ai arrêté de vivre pendant 10 ans parce que bah, je me suis donné à fond pour développer ce personnage et réussir. Et c'est du non-stop, tout le temps. Dans ton livre, tu parles que tu cherches l'amour, que tu dis que c'est les 10 prochaines années, je vais les consacrer à chercher. Ah, mais ça y est, c'est fait là. Je sais ce que je vais te dire. Bravo. D'ailleurs, il vient de Perpignan comme toi. Ah, il est d'où exactement? Oh, je m'en rappelle plus, encore un bled paumé, mais je sais plus. Ah, je viens d'un bled. C'est à côté. Je m'en rappelle plus. Je viens des villages. Bon, on l'embrasse. Il écoute ou pas? Je pense, oui. C'est vrai. Ah, et c'est l'amour. C'est le bon? Oh, bah non, ça fait 3 mois, donc c'est pas non plus la demande en mariage. Non, mais attends, tu peux savoir au bout de 3 mois si ça va bien. Non, oui. Là, je sens que c'est très bien. On veut pas savoir. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Jerem Star qui est avec nous? Merci beaucoup. Merci d'être venu, mec. Merci beaucoup. Jerem Star, ma biographie officielle chez Hugo Doc. Merci beaucoup d'être venu, mec. Bah, merci à vous. T'as plu pour cette première émission avec nous? Écoute, c'était très sympa. Hein, maintenant, tous dans ma baignoire.